Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quel est le Slenderman. Donc, qui est le Slenderman. Donc, on va le découvrir ensemble. Voilà, moi-même, j'ai une page Wikipédia. Voilà, donc c'est ici que je recueille les informations. C'est pas moi qui écris, hein, c'est moi qui recueille les informations. Voilà. Oui, donc si j'ai une lumière, j'ai une nouvelle lumière, voilà, j'ai une nouvelle lumière qui s'appelle un ring, voilà, dessus il y a un porte-téléphone, on peut aussi enlever la lumière juste pour faire un porte-téléphone, mais moi je vais garder la lumière parce que sinon, voilà, sinon en fait l'envoie rien, là, voilà. Ce format de vidéo est inspiré du format de vidéo de Feldup, ah voilà, donc, faut pas, voilà, c'est inspiré du format de vidéo de Feldup, voilà, donc Feldup il fait des vidéos, avec ce format d'idéo là, comme ça, voilà, donc faut pas. Je m'inspire. Donc, j'adore cette nouvelle lampe, voilà. Voilà, du coup, j'aime bien. Désolé pour ce décor, voilà, qui n'est pas super beau. Voilà, j'ai pas de fond vert. Ce sera peut-être la prochaine chose que je vais acheter, voilà. Donc, on va découvrir l'histoire de Slenderman. Donc, pour le Slenderman, mesdames et messieurs, donc je vais lire les informations. On y go. Chapitre 1, quelle est l'histoire de Slenderman? Alors, Slenderman serait un homme anormalement grand et mince avec des membres eux aussi. Anormalement long, dépourvu de visage et selon les versions, possédant des tentacules qui sortent de son dos. Il serait à l'origine de la disparition de plusieurs personnes, notamment des enfants. Voilà pour l'histoire du Slenderman. Voilà, c'était pas long. Voilà pour l'histoire du Slenderman, mesdames et messieurs. Voilà, donc on va au prochain chapitre. Où habite le Slenderman? Elles ont expliqué que la créature Slenderman vivait dans un manoir d'une campagne voisine et leur a demandé de commettre cet acte. Elles affirment que si elles ne l'avaient pas fait, ce monstre aurait tué leur famille. De plus, elles voulaient, par leur acte, prouver l'existence du monstre. Voilà pour... voilà pour où habite le Slenderman. Prochain chapitre. Ils sont courts, les chapitres. Hein. Bon, après, on parlera un petit peu des films, tout ça, des séries Slenderman. D'ailleurs, je vous dirai un truc à propos de ça à la fin de la vidéo. Donc, suivez bien toute la vidéo en entier, s'il vous plaît. Voilà. Donc, prochain chapitre. Quelle est la taille du Slenderman? Alors, pour ce chapitre, quelle est la taille du Slenderman? On est parti, on est go. Voilà. Vêtu d'un costume noir et d'une cravate, souvent rouge, il mesure entre 2 et 4 mètres. Il est géant. Il est géant. C'est un géant. Le mec est un géant. Voilà, donc si un jour vous voyez un mec avec une cravate rouge ou noire, qui a un costard noir, qui a un visage blanc, et qui mesure littéralement soit 2 mètres ou 4 mètres, vous savez que c'est lui. Voilà, voilà. Donc, prochain chapitre, mesdames et messieurs, qui a inventé le Slenderman? Alors, pour ce chapitre, on va savoir... qui a inventé le Slenderman et comment il a été fait, donc tout ça. Voilà. Le Slenderman a été inventé sur un forum en 2009 à l'occasion d'un concours Photoshop inoffensif. Selon la légende, ce serait un grand homme sans visage qui porte un complet noir et qui traque les enfants si vous le voyez. C'est terminé pour vous. Bienvenue pour ce chapitre, comment voir le Slenderman? C'est parti. En ce moment, vous pouvez regarder Slenderman en streaming sur... Il parlait du film et des trucs comme ça. Alors moi, les gars, j'ai un truc pour vous. Comment voir le Slenderman? Donc déjà, il vous faudra un papier. Donc une feuille de papier. Avec dessus, vous faites un rond. Avec une croix dans ce rond. Comme en fait, vous faites le logo de la série Marble Hornets du Slenderman, quoi. Donc vous faites de papier, vous faites un rond. Une croix à l'intérieur. Vous mettez votre main dessus et vous dites... Slenderman, je t'appelle, et vous le dites trois fois. Vous lisez ça trois fois. Vous allez dans une forêt et vous allez voir, vous devrez recueillir toutes ces pages sans le regarder. Ensuite, dès que vous avez toutes les pages, en fait, plus vous récupérez des pages, plus il devient agressif. Du coup, dès que vous avez toutes les pages, courez chez vous, s'il vous plaît. Et après, bah, vous aurez semé le Slenderman.
Donc, mesdames et messieurs, pour ce prochain chapitre, quelle est la légende de la Dame Blanche? Ah, c'est pas assez normal, ça. Non, donc pour ce prochain chapitre, les gars, prochain chapitre, pourquoi Slenderman kidnappe des enfants? Donc pour ce chapitre, on va commencer. Il est entendu que Slenderman enlève les enfants pour une raison inconnue, qui se trouve dans la forêt ou à leur lisière et qu'il brouille les appareils électroniques, surtout quand il y a de l'eau à proximité. Il peut également créer de l'amnésie, de la toux et de la paranoïa. Donc si on suit ce document, c'est un peu une maladie, quoi, le Slenderman. Non, c'est un peu une maladie, quoi. Parce qu'il fait des effets sur notre corps. Qui sont pas terribles, quoi. Donc, mesdames et messieurs, prochain chapitre. Mesdames et messieurs, pour ce prochain chapitre, nous allons découvrir les films du Slenderman, dont j'en ai vu un. J'ai vu le film du Slenderman qui s'appelle Slenderman. Voilà. Bah, c'est littéralement le film le plus connu qui parle du Slenderman. Hein. En même temps, voilà. Autant faire simple. Du coup, mesdames et messieurs, prochain chapitre, les films du Slenderman. Donc, mesdames et messieurs, pour ce chapitre, on va commencer par le premier film du Slenderman qui s'appelle tout simplement Slenderman. L'histoire de ce film, c'est des jeunes filles, enfin des filles ados, qui invoquent le Slenderman. Je vais pas tout vous spoiler pour ceux qui n'ont pas vu. En fait, c'est juste un couple de filles qui invoquent le Slenderman. Et après, il se passe des choses. Voilà, il se passe des choses que je vais pas vous dire parce que du coup, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à aller le voir, il est très bien. Il est interdit au mois de 18, je crois, ou 12, je sais pas. Mais voilà, donc je l'ai vu. Voilà. Il est très cool. Je vous mets des images, voilà. Prochain film. Et le prochain film, mesdames et messieurs, je n'ai pas l'histoire des films, je suis désolée, j'arrive pas à. Enfin, je les ai pas trouvés. Mais vous pouvez les chercher, voilà. Donc, prochain film. Le film qui s'appelle Hilo. Prochain. Proxy, Slenderman Story. Prochain, The Slenderman. Prochain, Entity. Prochain, Slender. Prochain, Always Watching Marble Hornet Story. Prochain, Beward The Slenderman. Et prochain, Secret of Slenderman 2. Il y a 1, le 2 et le 3, je crois. Donc, mesdames et messieurs, cette liste des films Slenderman, vous pouvez aller chercher les histoires du film, voilà, j'ai que l'histoire du film Slenderman que j'ai vu, voilà. Maintenant, le prochain chapitre de cette vidéo, c'est les jeux vidéo du Slenderman. Mesdames et messieurs, pour ce chapitre des jeux vidéo du Slenderman, j'ai cherché une liste et je vais vous dire tous les jeux du Slenderman qui ont été créés. Donc, voici la liste. Slender the Arrival. Slender dit Egg Pages, Slenderman Games, Slender Rising, Slender Rising 2, Slender Must Die, Slenderman's. Donc voici la liste de tous les jeux vidéo Slenderman qui ont été créés sur ordi et mobile. Hein, voilà, moi j'ai fait la version pas complète du jeu Slenderman The Arrival. En fait, faut que je paye hein, pour avoir la version complète du jeu. Je ne l'aurai pas, parce que j'ai pas envie de l'avoir. C'est assez flippant, en vrai de vrai, ça va. Hein. C'est assez flippant, et donc voilà, vous pouvez en trouver tout plein, voilà, des jeux de Slenderman sur iPhone, voilà, sur plein de d'appareils, voilà. Donc sur ce, je vous laisse sur ce chapitre, et aussi je vous laisse... Pourquoi il y a un cri ? Voilà, donc je sais pas ce qu'est ce cri, voilà, c'était très fluent. Parce que je fais une vidéo qui parle de Slenderman. Le soir, il fait noir, et je mets une lumière verte pour le style. Voilà, parce que si je mets de la lumière de ma chambre, je trouve que c'est pas très stylé. Du coup, on entend un cri comme ça de petite fille, comme dans Slender the Arrival. Mon dieu, il y a un cri de petite fille. Voilà. Oui, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, mesdames et messieurs.
Vous êtes les boss. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez, ça ferait plaisir. Et ma chaîne évolue. Hein. Enfin, j'ai pas posté de vidéo pendant longtemps parce que là, je ferai plein de vidéos, tout ça. Et en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao. Le sujet, j'ai oublié un sujet très important dans cette vidéo. Je vous ai dit au début de la vidéo qu'en parlant des séries du Slenderman sur YouTube, j'allais vous en parler d'un sujet, voilà. Je fais ma propre série du Slenderman actuellement sur YouTube. Je fais, voilà, actuellement ma série sur le Slenderman. Elle est réaliste, voilà, j'ai pas encore trouvé d'acteur pour le Slenderman. Je sais même pas s'il y aura d'autres acteurs dans mon film en fait, parce que je suis le seul pour l'instant. Pardon. Ouais, du coup, en tout cas, c'est réaliste pour le coup, voilà, j'ai tourné en forêt il y a pas longtemps. Voilà, du coup, c'est bien, j'aime bien. Et bah, merci hein, de m'avoir écouté lors de cette vidéo. J'espère que ouais, elle vous a plu, vraiment. Merci du fond du cœur pour ceux qui se sont abonnés dernièrement. Merci pour mes 460 abonnés. Plus que pas beaucoup d'abonnés parce que je sais pas compter. Si je sais compter, pour avoir 500 abonnés. On fonce sur les 600 abonnés. Et merci à vous parce qu'on se rapproche petit à petit des 1000 ans, quand même. Hein. Merci en tout cas de vous abonner. Merci et ciao les amis. Thank you.